Cette semaine, une question de Martin. Je viens de République tchèque et je cherche un emploi en Allemagne. Je perçois des allocations chômage versées par mon pays d'origine tout en vivant à Berlin. Est-ce que je dois payer des impôts dessus alors que je suis en recherche d'emploi ici? Il n'existe pas de législation européenne sur la fiscalité des personnes à la recherche d'un emploi dans un autre État membre. Il existe seulement des législations nationales et des conventions fiscales multilatérales ou bilatérales entre pays, mais elles ne couvrent pas tous les cas de figure. Dans la plupart de ces conventions, les allocations chômage sont considérées comme autres revenus et sont imposables seulement dans le pays de résidence. Néanmoins, le traitement fiscal précis dépend des termes de la convention fiscale bilatérale en vigueur. Dans votre cas, tout dépendra de la convention bilatérale entre la République tchèque et l'Allemagne. Si vous séjournez moins de 6 mois par an dans un autre pays de l'UE sans y travailler, vous ne serez probablement pas considéré comme un résident fiscal de ce pays. Dans ce cas, normalement, vos allocations chômage ne seront imposées que dans le pays qui vous les verse. Si vous séjournez plus de 6 mois par an dans un autre pays de l'UE, dans la plupart des cas, vous deviendrez résident fiscal de ce pays et vos allocations chômage pourront donc y être imposées. Cependant, en vertu de la plupart des conventions fiscales bilatérales, si vous conservez une habitation permanente, ainsi que d'importants liens personnels et économiques avec votre pays d'origine, vous continuerez à y être considéré comme résident fiscal. Dans ce cas, vos allocations chômage ne devraient pas être imposables dans l'autre pays de l'UE. Pour obtenir des informations complètes, prenez soin de vous adresser au centre des impôts de votre pays d'origine et du pays dans lequel vous souhaitez vivre. Pour poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur les réseaux sociaux.